a inspiré, surtout par rapport au titre. Au titre, on avait sa carte d'abord. Oui, Vesey Magaz. Nous étions comme ça à Ganoua, précisément à Nalepa. Ouais. Et c'était à des funérailles. Un ami comprenait bien le papa de Cyril Didier. Le matin tôt, on va voir le corps à l'église pour juste le messe de requiem. Comme ça, on part ensemble à l'église et puis j'entre à l'église et j'entends la chanson. Le vieux, après, il vient après chanter. Chante, j'ai ma grâce, c'est écrit, libérez-moi. La chanson, d'abord c'est la mélodie qui m'a touché. Oui, il m'a dit, mais attends, j'aime bien cette mélodie. Donc j'appelle, j'approche le frère, il m'attend. Cette mélodie-là vraiment me plaît pour le Bété, le vieux original, quoi. Il me dit, comment? Mais lui, je ne chante pas en Bété, c'est en français. Il dit, attends, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Mais écoute bien. Enézé, magazé, zézé, clili, bémou. Attends, il n'y a même pas un mot français, tu me dis en français. Il dit, si, si. C'est là maintenant qu'il me traduit, mais non, c'est je m'engage, Jésus-Christ libère-moi. Il dit, ah, ça, c'est pas possible. Je pointe maintenant, lui, effectivement, c'est un truc comme ça. J'ai éclaté de rire, comment c'était. Je dis, attends, ça c'est original. Et pourquoi pas ajouter notre touche finale là-dessus pour pouvoir donner quand même une autre sonorité. Donc, non, monsieur, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il disait dans Zimagaz? Il dit, je m'engage, Jésus-Christ libère-moi. C'est la chanson. Ah, lui, il demande au Seigneur, lui s'engage. Il demande au Seigneur de le libérer. Vous voyez, un peu, donc, j'ai trouvé ça très original. Vous avez le succès grâce à un monsieur qui, sans parler le français, mais peut-être qu'il ne l'est pas. Vous avez le succès. Est-ce que vous passez voir le monsieur pour lui donner des droits comme ça? Parlons de droits. Nous ne voulons pas entrer dans les détails, mais c'est bon, déjà, on tombe en bon terme avec la famille, même le village où on sera bientôt pour faire au-delà de la reconnaissance oui, parce que non. Physique, est-ce que par exemple vous savez bien sûr, ça c'est la moindre des choses. Ah bon? Oui, attends, je le dis. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui me disait que vous êtes des négliers, mais j'espère que c'est pas. Moi je pense que je pardonne à cette personne ses péchés. Vous prenez un peu de monde, le Seigneur lui pardonne ses péchés parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Voyez, c'est bien de pouvoir venir vers les personnes pour pouvoir avoir des informations. Je ne veux pas dire des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on ne sait pas. Mais soit, c'est quand on veut tirer la langue à quelqu'un, il ne faut pas dire des choses, il ne faut pas prêcher du faux. Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant, par exemple, de faire connaître aussi ce monsieur, comment il s'appelle déjà, le mari d'Annie Kévy, là, comment il s'appelle déjà François Kinsey. François Kinsey avec le vieux. On a d'autres chansons à faire avec le vieux. Ah, d'accord. Donc, oui, on a d'autres chansons. En fait, c'est un truc que. Eux n'ont pas, ils ont pour habitude de chanter, voyez un peu non. Voilà. Nous, on l'a sorti, et pourquoi? Parce qu'on a trouvé ça très original. Mm-hmm. Et lui, ça cartonne, voyez un peu, ça cartonne, mais la reconnaissance paye, voyez un peu. Donc, c'est la reconnaissance qui paye, donc nous, on pense qu'il faut de mauvaises fois pour ne pas retourner au panier, n'est pas pour aller dire merci, mais faire un tour, voyez un peu. Donc, quant à ce qu'on m'a donné, ça n'engage que nous, on peut fêter ça. Aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des grands groupes Zouglou se trouvent en France. L'aventure, ça ne vous tente pas? Moi, c'est Juliette du groupe Marou. L'aventure, ça nous tente, mais il faut dire que nous sommes d'abord Ivoiriens. Et donc, nous avons le plein droit de ce pays ici. Et pour essayer de voir si nous pouvons vendre notre musique hors du pays. Quoi. Est-ce que, Henri-Jacques, vous pensez qu'au niveau de. Ici, par exemple, est-ce que la force du Zouglou doit forcément être à Paris? Aujourd'hui, on voit les DSIO qui sont à Paris, on voit Denis qui est à Paris, on voit. Ils sont prêts comme ça, hein? Abalé Tawalé, qui a commencé même à peine un an à trouver que c'était mieux d'être à Paris. Et donc, ils préfèrent tous aller à Paris. Ce n'est pas plus intéressant d'être ici et de se faire connaître. Moi, je pense que c'est Diaco Malagou. Chacun son choix. S'ils ont décidé de rester à Paris, ça m'engage que ben nous, Marabout, le groupe Marabout, on se dit que c'est ici la source, c'est ici l'inspiration. Donc, l'aventure ne revient pas. Ça va parce que ouais. Nous ne souhaitons pas être aussi à Paris, mais pour le moment, nous ne sommes pas prêts à la découverte. Je pense que
Moi, je suis très content pour ces artistes qui sont là-bas parce que, en même temps, ils se sont nos ambassadeurs au niveau de l'Europe. Donc, c'est un plaisir pour nous. Et d'abord, nous les remercions pour tout ce qu'ils font. Même quand on sait que leur carrière se brise là-bas, ils n'ont pas de grands spectacles. Ouais, bon, tu les fais ici, tout ça. C'est un choix. C'est des ambassadeurs. Toi. C'est des ambassadeurs. Moi, je pense que c'est un choix. Vous voyez un peu. Il y a un temps pour vous, un temps pour tout. Aujourd'hui, oui, ils sont en train de s'aimer. Et grâce à Dieu, ils vont récolter bientôt. Ah bon? Ouais. D'accord, on attend pour voir. Ah oh, ouais, ça va venir. Ils sont en train de travailler, on les voit un peu partout là. En train de faire des lives un peu. Même si c'est pas comme on veut ici, comme ils bougeaient beaucoup ici, mais c'est pas mauvais aussi. C'est un choix, donc voilà. Question de principe. Voilà. Ah bon, hein. D'accord, pourtant, les gens, un groupe comme il est ici, on sait que leur base c'est ici, leur public c'est ici. Non, mais le public se trouve partout. Ils essaient quand même d'internationaliser la chose. Si aujourd'hui ils sont là-bas, que ça attends, on reste pas où on ne mange pas bien. Juste là-bas, ça veut dire que ça va. Voilà. Depuis un certain moment, on sent que, avec cet album, vous connaissez le succès, il y a quand même eu une traversée du désert. Avec, Oui, et c'est ça la force du groupe Marabout d'Afrique aujourd'hui. Vous voyez un peu, on a traîné un peu la bosse partout. On a vu des gens qui sont allés devant, qui nous ont laissés. Mais sont ces gens-là? Je ne citerai pas des noms. Ah, ils existaient? J'ai dit, je ne citerai pas des noms. Je ne dis pas aujourd'hui, Magic System, c'est quoi? C'est une icône aujourd'hui. Je ne parle pas de Magic System. Je parle de tout le monde musicalement parlant. Tout le monde est parti. C'est ça. Il faut accepter ton temps. Comprenez un peu. Parce que le temps, d'abord, qui est le nom de Dieu. Le temps, c'est le nom de Dieu. Ça a mis le temps. Aujourd'hui, le temps fait son temps. C'est comme ça. Ah bon? Ah oui. Le temps fait son temps. Oui, le temps fait son temps. Et pendant cette traversée du désert, qu'est-ce que vous avez dit? Allait-il abandonner la musique? Puisque ceux avec qui vous avez travaillé sont aujourd'hui des icônes de la musique ivoirienne. Ouais. Et pendant que ceux-là sont des stars aujourd'hui qui tournent fort, ouais. 70 ou 80 concerts dans les Magic System et autres. Ouais, mais vous savez. C'est pourquoi Dieu a fait sur terre les pauvres et les riches. Qu'est-ce que vous avez dit en ce temps-là, quand vous étiez dans votre traversée du désert? Ah ben, à un moment donné, quand on sortait des albums qui ne marchaient pas, on se disait, les gars, on ne baisse pas les bras parce que c'est notre métier. Et on n'a que la musique dans la peau. On ne fait rien que la musique. Donc, les gars, quand c'est pas bon, on ne t'applaudit pas. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours continuer. On ne fait rien. Et en ce moment-là, il y avait quand même des groupes qui marchaient, qui étaient en train de sortir comme les... Mais quand ça marche. Est-ce que vous voulez pas, qu'on soit en vie ou quoi? Pas, ça vous est pas arrivé, par exemple, d'en vouloir à des gens? Pourquoi? Non. Papa, nous ne marrons pas. Ah bon? Est-ce que la vie, c'est vous qui avez la vie? C'est Dieu qui l'a vu. Dieu a un temps pour tout le monde. Donc, le temps du groupe Marabout est arrivé. Et face à tout. C'est comme ça, nous avons du temps aussi. C'est votre temps, hein? C'est vrai. Il y en a qui sont partis par l'ascenseur, nous avons pris des escaliers. Mais vers la fin, on commence à arriver, on arrive avant eux. D'accord. Ah oui, c'est comme ça. Il faut accepter. Il faut accepter. Voilà. Quand on parle de vous, indéniablement, on pense aussi à Magic System. C'était bien, vous avez commencé ensemble et tout ça. Vous êtes réconcilié aujourd'hui, il paraît. Oui. Henri Jacques. Oui, bien sûr, quand on parle de réconciliation, c'est un peu trop dit, c'est un peu trop fort ce mot, parce qu'il n'y avait pas de division en tant que tel, seulement que c'est un malentendu, c'est tout, ça arrive à tout le monde. Oui, même dans un couple marié, ça arrive, vous comprenez un peu. Nous ne sommes pas des amis, nous sommes des frères, vous comprenez, c'est des frères que nos parents n'ont pas donné. Donc je pense que nous sommes des frères, comme je le dis. Il y a un moment où ton choix a brûlé, mais Dieu merci, ça va. Allez, Jacques. Avec Magic System aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, par exemple? Bon, ok, ça va. Bien, merci. Mais ça a été mis du temps à répondre quand même, pourquoi? Un soupir. Pourquoi faire à chaque fois une interview et puis toujours parler de Magic System? Mais parce qu'on ne peut pas parler de ça, on ne peut pas. On peut pas faire ce truc-là, oui. Pourquoi ça? Pourquoi il y a mis du temps? Ah, d'accord, parce que le cinquième, c'était le sixième FEMUA, non? Oui, FEMUA 6. Sixième FEMUA. FEMUA 6. Ils ont associé et tout et tout. Et puis, à un moment donné, il y a, il semble, et c'est sûr qu'il y a un des membres de Magic System qui a voulu vous emmerder, il s'appelle Manager. Vous emmerdez comment? Non, c'est du n'importe quoi, les gens comme n'importe quoi, c'est faux. Et que Assalfo était obligé de,
de ce jour là-bas. Soit cette information. Non, attends, vous avez dit pas comment. En quoi faisant tout le monde qui des pays au rabais, avec des trucs. Ah bon? Maintenant, c'est ce que j'ai appris. Non, 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 passe-moi le micro ici. Passe-moi le micro ici. Henri Jacob. Non, mais c'est Achifo. Achifo? Ouais. Donc, moi, c'est le micro ici. Attends, le manager n'a jamais payé le cachet de fermer à quelqu'un. Il n'a jamais tout fait. Donc, en gros, c'est qu'aujourd'hui, on sait que votre relation avec Mali System, ça va, c'est au beau fixe. Oui, tranquille, il n'y a pas de souci. On se voit tous les jours, on s'appelle. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui d'appeler à Sako pour lui dire, bon, écoute, comme c'est. Tu veux que je l'appelle maintenant? Tu vas entendre sa voix? Non. Est-ce que vous arrivez aujourd'hui, d'appeler à Sako pour lui dire, on sait que ça, on est au beau fixe. Aujourd'hui, nous sommes en train de redécoller. On reprend les marches de l'escalier. Mmh. Est-ce que, au niveau international, tu ne peux pas nous aider un peu? Laisse Dieu faire son travail. Mmh. Ça veut dire parce que Magique n'a pas eu besoin d'appeler telle personne. Quand c'est bon, et que Dieu met la main. Aussi, parfois aussi, on a besoin de coups de pouce. Non, ouais, mais ça, c'est la moindre des choses. Il n'y a pas eu de coups de pouce, Marie, le système, c'est pas là. Oh, oui, mais ne pas appeler quelqu'un, c'est parti comme ça, vous comprenez un peu. Donc, nous avons tout confié à notre Dieu Tout-Puissant. Certes, l'homme dit, mais Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Vous comprenez un peu. Quand on dit l'homme fait l'homme, c'est faux. Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Donc, voir à ça, il faut dire à ça, il faut voir le niveau de l'international, il faut faire ça, faire ça. C'est rien à faire. On a parlé de ça, il n'y a pas de souci à ce niveau. Ah bon, ça veut dire que bientôt, vous allez avoir une ascension internationale en cinéma majeur. Par l'entremise à ça, quoi. Ça va venir. Ah, si tu me comprends, je vois ce sujet. Ça va venir. C'est possible, hein. Ça va venir. Faut pas trop parler. Faut pas trop mettre les chevaux. Voilà, ça va venir. Dieu est là, ça va se faire. Est-ce que le succès aussi n'est pas dû à l'absence des icônes du genou en Côte d'Ivoire? Toi, c'est une belle question. Oui, mais c'est une très belle question. Je suis votre succès n'est pas dû aujourd'hui à. Oui, par rapport à la situation. Vous avez vu. Quand on a sorti ces magasins, il y a Magic qui a sorti Mamadou, il y a Fitine qui a sorti, il y a Espoir de Mille qui est sorti, il y a Petit Sakou qui est sorti. Hein? Vous voyez, on a trouvé la mercenaire qui est sorti, on a croisé beaucoup de grands sur le terrain. Mais quand Dieu te donne ton temps, c'est ton temps. Il y a eu des moments où on est sorti. Par la chose, j'ai eu l'argent, pas suggéré, il n'y avait personne. Il y avait des grands sur le terrain. Vous voyez, on a cartonné très fort. Et les petits qui sont venus après qu'ils sont montés. On a vu tous les blancs sur le terrain. Quand on est sorti, Marabout est sorti, Magique est sorti avec Mamadou, non? C'est-à-dire qu'en ce moment-là. Non, je ne sais pas. Quand Marabout est sorti, c'est Magas. Magique est sorti avec Mamadou. Magique, c'est pas n'importe qui. Espoir 2000 est sorti. Espoir 2000, c'est pas n'importe qui. Pas n'importe quel groupe. Petit Sako est sorti. Patron est sorti. La Toque Esprit est sorti. On a vu Petit Sako est sorti. Mais Zé Magas est toujours premier. Donc vous êtes le meilleur. Vous avez dit par rapport à la période, c'est Dieu qui nous rend meilleurs. C'est meilleur. Non, voilà. Dieu qui nous rend meilleurs. Allez, Jacques, par rapport à la période, la sortie des albums, je pense que. C'est vrai que ça, s'il y a eu du succès, c'est parce que ça a été le meilleur. Non, bon, parce que ça, c'est trop dit. Nous sommes les meilleurs, c'est trop dit. Je pense que tout ce que Dieu fait. Bon, parce que tout à l'heure, il y a l'un de l'autre, en fait, qui vient nous poser la question, est-ce que c'est pas parce que les autres Zoulous ne sont pas au pays? Donc, laquelle aujourd'hui nous avons connu un succès. Moi, je dis c'est faux. Marabout, c'est un grand jeu. Marabout, nous sommes quand même les vieux de la vieille. Nous avons eu un succès. Et en musique, c'est comme ça. Il y a des moments de gloire, il y a des moments que vous avez. Donc, aujourd'hui, nous avons fait sortir ces magasins. Et que, à la grâce de Dieu, ça ne fait que grimper. Nous disons merci à Dieu. Mais, sachant que tous ces groupes étaient présents, nous sommes en train de subir, nous avons travaillé ce qui est sorti. Patron était sur le marché voilà. Avec au niveau. Mais par exemple, il y a quelqu'un aussi qui me, dans la chaîne qui me disait que après cette traversée du désert et que maintenant vous revenez au premier plan, qui sait si les marabouts ne sont pas allés comme les autres faire du maraboutage? Jamais. Oh non, attends, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Quand ça ne marche pas aussi, on a fait maraboutage pour ne pas que ça marche. On a fait pour plonger. Voilà. Un bœuf aussi. On a fait pour plonger. Non, on a fait ça partout chez lui. C'est lui qui a dit c'est dans sa maison. On a fait ça pour plonger pour ne pas avoir du succès. D'accord. Dernière question. Les femmes et vous. Tu es marié, non? Tu as un problème avec les femmes? On est marié, oui. Je suis marié légalement. Je dois dire que je suis marié. Oui, bien sûr. Et les petites? Les petites, elles sont là.
Les enfants sont à la maison, ma petite sont là. Non, non, mais pas les Les petites nanas. Non, mais attends. Quand tu es. Non, c'est fini ça. Non, c'est fini ça. C'est fini. À la carte, non, la page est tournée. C'est fini. Donc tu as décidé d'être fidèle maintenant, ta femme, c'est ça? Pas que j'ai décidé, je suis fidèle depuis longtemps, depuis que je l'ai connu. Allez, Jack. Oui, j'ai un qui l'a interviewé là. Ça va, je ne me pas bien. La fidélité. Tu me disais que tu étais parti à Boisseau une fois, que tu as raconté une de ces anciennes goûts là-bas, qui forcément voulait dormir avec toi, jusqu'à 4h du matin, il voulait que tu n'as pas c'est ce que tu viens de dire à ton journal. Bon, ok, merci d'être venu. On se retrouve.